يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. Nos théologiens s'accordent à dire que se repentir des péchés est une obligation. D'ailleurs, même les prophètes exerçaient cette noble adoration. Allah dit concernant Moussa: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit aussi à propos du père des prophètes ainsi que son fils: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Méditez ces versets. Malgré le fait qu'il était en train d'édifier la Kaaba, ils ont supplié à Allah d'accepter leur repentance. Quant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il disait: ô homme, repentez-vous à Allah. Certes, je me repens à lui 100 fois par jour. Si notre messager se repentait 100 fois par jour, alors qu'en est-il de nous qui commettons des péchés nuit et jour? Revenons donc à Allah, le miséricordieux, le clément, le pardonneur, parmi ces noms également mentionnés dans le Coran, At-Tawwab, ce qui signifie celui qui accepte toujours le repentir de ses serviteurs. Cela dit, il est important de souligner que le repentir d'un péché n'est pas qu'une simple parole qu'on prononce, mais une adoration conditionnée. Dans cette vidéo, nous allons traiter de ces 6 conditions du repentir. Le repentir doit être exclusivement dirigé vers Allah. Donc, le pécheur, par le biais de cette noble adoration, recherche la satisfaction d'Allah, espère son pardon afin d'obtenir sa récompense et d'éviter son châtiment. Par contre, s'il vise un intérêt mondain, alors le repentir ne sera pas accepté. Il est inconcevable, inimaginable de penser qu'une personne se repent sincèrement d'un péché tout en le commettant. Ce sont deux actes opposés, contradictoires. Ainsi, c'est à juste titre que nos savants ont établi comme condition élémentaire de l'acceptation du repentir l'arrêt de la désobéissance à Allah. Donc, le repentir n'est pas acceptable s'il est accompli en même temps que le péché. Par contre, il est valide si le serviteur replonge dans l'erreur bien après cette noble adoration. Cependant, cette personne aura besoin d'un second repentir pour effacer le dernier péché. Le repentir sincère ne peut être réalisé que par une personne pleine de remords et triste d'avoir commis le péché. En effet, il faut regretter son erreur afin que le repentir soit accepté. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: le regret, c'est le repentir. Nous pouvons en déduire de cette citation prophétique que le regret est la colonne vertébrale du repentir, la condition la plus importante de cette noble adoration. Pourquoi ? Car le regret est une initiative relative au cœur, et si le cœur est sain et pur, alors tous les autres membres suivront, et le pécheur cessera de transgresser la loi d'Allah.
Le pécheur doit être déterminé à ne plus replonger dans cette désobéissance. Il doit s'engager à ne plus commettre cette faute parce qu'il est illogique et insensé de penser que le repentir est sincère, alors que le fautif a l'intention de réitérer le péché. Si le péché a causé du tort à un être humain, il faut réparer l'injustice et restituer ses droits. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a commis une injustice à l'égard de son frère, a nuit à son honneur, s'en est pris à ses biens, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde où il n'y a ni dinar ni dirham pour se racheter. Que va-t-il y avoir alors s'il n'y a pas d'argent pour réparer l'injustice ?» Le messager d'Allah poursuivit en disant « S'il, c'est-à-dire l'oppresseur, l'injuste, possède des bonnes actions, alors on retranchera l'équivalent de son oppression pour le donner à la victime. Par contre, s'il n'a pas capitalisé sur de bonnes actions, on lui affectera les mauvaises actions de sa victime. Donc, il ne suffit pas de prétendre qu'on s'est repenti. Il faut s'excuser auprès de la personne et réparer le mal qu'on lui a causé. Le repentir ne doit pas être tardif, c'est-à-dire au moment où le pécheur agonise et que son âme est en train de sortir de son corps. Allah dit à ce sujet, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également à ce propos, « Certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'est pas en train de sortir. » Sur cette parole prophétique, nous implorons Allah de nous faciliter à accomplir cette noble adoration, de nous pardonner de nos péchés, de réconcilier nos cœurs et de nous guider vers le droit chemin.